coup, alors attendez. Bah, du coup, on a l'évolution. Ça y est. Ça avance bien, du coup. Donc, c'est niveau 16. On va aller choper le Gloopty. Pour un deuxième stade, il est très sympa, ouais. Regardez-le, il est trop stylé, en vrai. Voilà, et donc là, je ne peux plus Terra cristalliser. Là, je ne peux plus Terra cristalliser, on le voit. Donc, ouais, ça. Je sais pas. Là, je pense qu'il faut que j'en cherche. C'était peut-être juste parce que j'étais contre un Terra. Donc, c'est pas une fois par combat. Hop, météore. Again. C'est trop stylé avec son petit yo-yo, là. Non, je le trouve très stylé comme ça, vraiment. Vas-y. Il y a un truc là-haut, j'ai vu un truc briller, je sais pas ce que c'est. Non, il y a deux stades d'évolution, mais le deuxième, pour l'instant, on n'y est pas encore. Le petit Gloopty qui rentre. On prend. Voilà. C'est quoi le truc qui brille au loin? Non, c'est pas un shiny, je pense pas. Je peux y aller, incroyable. C'est quoi ce truc? Une Lux Ball. C'est quoi ce truc? J'ai rien sur la carte en plus. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Je sens que c'est clairement pas pour maintenant. Vas-y, on tente. Le pieu s'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait. Ah. Ok, donc c'est un truc pour, je pense, beaucoup plus tard. Bah, on est allé voir au moins, on est allé voir. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on a les sacs. Le zinc. Hop. On a les bonbons, hein, donc je les... Pour l'instant, je les mets qu'à lui parce que vraiment, ces deux-là, je suis pas sûr de les garder. Je suis vraiment pas sûr de les garder, donc... Donc voilà. Hop. Alors, allons au centre Pokémon. Il y a tellement de choses à faire. C'est assez mystérieux, ouais, ouais, c'est assez... C'est quoi? C'est un pomme, je viens de lui foncer dessus. Je viens de rouler sur pomme. Je viens vraiment de rouler sur pomme. C'était pas voulu, monsieur, vraiment. Allez-vous-en. Allez-vous-en, monsieur. Vraiment. Non, mais alors... Il va me paralyser, tu vas voir. Non, c'est bon. Non, il est pas dans mon Pokédex. Je crois pas qu'il est dans mon Pokédex, le légendaire, pour l'instant. Hop là. Nickel. Alors, avançons. Faudra qu'on joue un peu avec les autres, mais encore une fois, je sais pas du tout qui prendre. Alors, on va peut-être aller de l'autre... Je sais pas. J'allais dire, on va peut-être aller de l'autre côté. Bienvenue au centre Pokémon, son nom est Pokémon. Ok. On va peut-être aller, maintenant qu'on a le TP ici, parce que je rappelle qu'il y a des TP, est-ce qu'on n'irait pas de l'autre côté pour voir du côté de Menzi? J'avais profité pour recharger votre orbe Terra Crystal. Ok. Je sais pas si vous le savez, mais appuyez sur le bouton ZL pour verrouiller un Pokémon. Ouais, on sait. Pour voir les Pokémon qu'il y a dans l'autre zone. Parce que dans tous les cas, au moins, j'aurais pas à refaire cette route. Je me dis, on a un TP là qui est débloqué. On a un TP qui est débloqué. Ah oui, on a fait que ça. Non, mais c'est immense. Hein. Donc en vrai, est-ce qu'on irait pas du côté de Menzi juste pour voir un petit peu la tête que ça a? Je pense qu'on va quand même aller checker vite fait. Et si ça se trouve, là, il va y avoir des Pokémon. Je vais me dire, oh vas-y, je le veux dans mon équipe ou machin. J'en sais rien, quoi. Ok, donc c'est totalement une autre zone. Et ouais, il y a d'autres trucs là. Il y a des Watt, des machins. Ok, donc c'est totalement différent. Les Granivol, on a déjà. Est-ce que je peux arriver à grimper là des passes rouges? Ça m'a l'air d'être quand même un peu plus... zone... un peu... Genre, ça m'a l'air d'être naturellement quand même un peu plus la suite, hein, cet endroit. Par contre... Oh, il y a des trucs en bas. Est-ce que je peux pas choper des types O là-dedans? Est-ce que je peux pas arriver à choper des types O ici? Parce que je rappelle, j'ai toujours pas de type O, donc... Ouais, bah alors, les psychos, quoi que non. On va éviter de trop s'éparpiller, parce que encore une fois, sinon... On en a pour 10 500 ans. Donc on va aller chercher lui déjà. Parce que lui on l'a pas. Et c'est vrai que j'ai peur de trop m'éparpiller. Alors qu'en soi c'est clairement le...
clairement ce que le jeu appelle à faire, mais bon. Un avis à chaud sur le jeu pour l'instant, incroyable. Moi je le trouve vraiment fou. Après c'est très personnel, mais c'est vrai que j'aime énormément. Pourquoi Honor Ball? Oui, vas-y, Honor Ball. Et c'est bien parce que vous voyez, j'ai l'impression des deux côtés des routes, ils sont à peu près des mêmes niveaux. Donc c'est pas si mal de faire peut-être les deux en même temps, plus ou moins de progresser tac tac tac. Je sais pas. Hop. Patachio 14. Il a quoi comme attaque Patachio? Faudrait peut-être un peu d'XP, non? Si jamais on le garde. J'ai pas un Pokémon pour l'instant où je me dis oui. Hop, what what, boîte PC. Peut-être qu'en réalité ça va se faire naturellement. Bon, faut voir qu'on a même pas un badge en réalité pour l'instant, donc on est au début, hein. Par contre c'est fou, on est toujours pas au premier badge. Incroyable. Je vois s'il n'y a pas d'autres Pokémon. Ok, Granivol, machin. On va faire les dresseurs. Le Pokédex, il a un flot de fou, de fou, de fou, ouais. Clairement. Allez, petite dresseuse. Et après, on va arriver au centre Pokémon. Donc finalement, comme de l'autre côté. Oh, Lapidonie. Lapidonie, à chaque fois je dis Lapidonie, je sais pas pourquoi. Oui, on a récupéré le Pikachu à vol, tout à fait, on l'a récupéré. Oh, il y a un Olivini. Alors, Olivini, c'est ce qui m'a fait également hésiter à changer de starter. Parce que l'évolution d'Olivini, je l'ai vue, elle est folle. Elle est incroyable, vraiment. Si vous n'avez pas un type plante, prenez Olivini. Je crois que c'est un plante fée, si je dis pas de conneries. Je sais pas. Bref, en tout cas, je pense qu'en réalité, c'était plus intéressant de prendre, par exemple, un Chochodil. Comme ça, j'ai un type feu d'emblée. Et prendre un Olivini derrière. Je pense que c'était plus intéressant. Mais bon, je me suis laissé dicter par le petit coup de cœur de Maturgeon, mais... Enfin, de Maturgeon de Poussachat. Donc vraiment, Olivini... ça, typiquement, Olivini, j'aurais pu le prendre en équipe d'entrée si j'avais... Si j'avais pas eu, quoi. Donc là, évidemment, on va pas le prendre dans l'équipe. Mais... Un plan de vol? Ah, peut-être plan de vol, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, très 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 stylé. Le petit Olivini qui est là. Donc nous, évidemment, on le prendra pas dans l'équipe. Vas-y, je tente de le choper d'entrée. Je tente de le choper d'entrée. Bam. Ah, dommage. Ça aurait été le beau jeu, ça aurait été le beau jeu. Ok. Par feuille magique, ça devrait pas le tuer, je pense. De peu, hein. Allez, Pokéball. Bam. Ok. 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 C'est bon. Nice. Ok. Olivini, plante normale pour l'instant, ok. Bah non, il va au PC. Mais plus tard... C'est vrai que ça peut être... typiquement, sur le quand on va faire Écarlate en Nuzlocke, je pense qu'on prendra Olivini en type plante. Hein. Un petit ravi. Bah vous voyez, on l'a pas. Un petit ravi qui pop comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là? Comme ça, d'un coup, il est là. Incroyable. Nice. Le petit ravi qui passe. Le petit ravi qui passe. Nickel. Non, il n'y aura pas de coupure, hein, du coup. Là, c'est full. On fait le jeu toute la journée pour bien avancer. Hop là, le petit ravi qui passe. Comme ça, vous aurez des épisodes très régulièrement. Allez, du coup, on regrimpe. Je me lasse pas du côté répétitif du jeu. Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'au contraire... le jeu, il est très... Bah, il est pas répétitif du tout, au contraire. Enfin, après, c'est ma vision, mais... Je trouve pas qu'il soit répétitif, non. Il est toujours dessus, l'autre, ou pas? Non, c'est bon, il s'est barré. Pokéball. Toi, alors... Ah, on a un truc, là-bas. On va aller le faire. À moins que ce soit celui... Non, c'est celui qui était derrière, je crois. Petit combat. Mais la map est immense, hein. Encore une fois, rendez-vous compte du gap entre la 8ème génération et la 9ème. C'est fou, hein. Le gap est phénoménal. Hein. Même entre ça et Arceus. Je te disais, même entre ça et Arceus, le gap est phénoménal. Hein. Parce que Arceus, c'était quand même des zones qui étaient déjà plus moches et puis surtout qui n'étaient pas ouvertes comme ça, quoi.
Ah non, vraiment le gap il est dinguissime. Ok. Bon, il y a l'air d'avoir des colonnes là-bas. 736 en récompense, let's go. Ah, en vrai je suis en train de me poser une question, mais je me dis, si je veux un type haut, est-ce qu'en fait le mieux serait pas juste d'aller vers une plage, hein? Je sais, ça peut paraître débile comme question, mais vraiment, vu que maintenant je suis un peu lâché. Alors là, c'est un raid Terra Crystal. Des cristaux brillants sont disséminés à travers la jonde Paldea. En les examinant de plus près, vous pourrez participer à un raid Terra Crystal. Il est derrière la de raconter un Pokémon puissant. Si vous passez en mode hors ligne, vous coopérez avec des amis à proximité. Si vous êtes en mode hors ligne, vous coopérez avec des amis éloignés. Lors des raids, vous affronterez des Pokémon Terra Crystal de type Terra Crystal rare. Si vous parvenez à les vaincre en coopérant avec d'autres dresseurs, vous aurez une chance de les attraper et vous recevrez des objets spéciaux. Ok. Vas-y, on va partir en solo pour l'instant. Et du coup, je crois que c'est avec des bots. On va tester. On en fera avec vous et tout, hein, bien évidemment. Là, il y a le Dracaufeu, je crois, dans pas longtemps. On va tester. On les fera peut-être pas tous maintenant, mais bon, ceci, ça va me faire un Pokémon pour mon Pokédex. Hein. Donc, testons les Raiders Crystal. Je crois qu'on peut spammer les attaques et tout, c'est très différent. Comme ça, on teste la première fois qu'on en teste un. Ok. C'est parti. Alors. Lors d'un raid Terra Crystal, vous devez vaincre le Pokémon Terra Crystal dans le temps imparti. Si votre Pokémon est Mikao pendant le combat, il reprendra connaissance. Nana, ok. Ok, ça réduit le temps total par contre. Vous pouvez encourager vos alliés 3 fois par combat. Bon, ok, on connaît. Le Bibichu. Alors. On est parti. Ça m'a l'air quand même d'être plus dynamique que... comment dirais-je? Ça m'a l'air d'être un peu plus dynamique que les raids Dynamax. Je sais pas si vous vous rappelez, les raids Dynamax, je détestais. C'était une catastrophe. Oui, regardez, ils attaquent et tout, hein, progressivement. Ouais, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Oh, vu que chacun l'attaque. C'est quand même beaucoup plus dynamique, ah ouais. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Bah voilà. Même la musique. Bon, j'ai même pas vu de quel type il était, mais bon. Allez, on l'attrape. C'est parti. Oh, la position. Incroyable les cinématiques. Les cinématiques sont dingues. Et voilà. Nickel. Et du coup, on gagne des bonbons XPS, bonbons XS. On va les garder, les bonbons, pour l'instant. Mais du coup, ouais, bel et bien, on peut faire des trucs comme ça. On a des bonbons, donc c'est un peu comme à l'époque. Ok, parce que là, si je mets tout sur un Matoujoujou maintenant, il va passer niveau 22. Ça va être abusé. Donc on va éviter pour l'instant. Bibichu, et voilà, et du coup, on le gagne quand même. Bah nickel. Grave stylé, ouais. Grave stylé. Bibichu. Est-ce qu'il y a une plage pas loin? Tu vois, là, non, ça, c'est pas... Ah, franchement, si je bon, c'est loin, mais si je descends là, tac, j'ai une plage, là. Genre là, j'ai une plage. Donc techniquement, là, je pourrais peut-être choper un type haut. On tente ou pas? On sort de la route pour essayer de choper des types hauts? Alors déjà, encore une fois, ça va me tourner. Oh, quel plaisir. Vas-y, on tente. On a le TP, on tente. Faut tenter des trucs un peu. On tente. En vrai, ouais. Parce que type O, au moins, je sais que, voilà, bam. On commence à l'XP, machin. Donc, autant le tenter. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer? C'est autre chose, mais... Autant tenter, quoi, j'ai envie de dire. Justement, on est quand même dans un jeu à monde ouvert, c'est... Je me dis, autant tenter. Pikachu, on l'a déjà, donc je le prends pas. Est-ce que je vais pouvoir passer? Je peux pas. Ok. Donc je peux pas comme ça, mais je dois pouvoir. J'avais vu qu'il y avait une route, non, pas loin. Il y a une route. Il y a une route là. Oh, des tiltons. Ah, mais j'ai quand même envie. Attendez, mais il y a trop de Pokémon là. Il y a que des Pokémon que j'ai pas, ça me rend ouf. Ah non, mais j'ai envie de les faire du coup.
Bon, on reviendra, hein. Et donc la plage est là. Il y a un toxizap, incroyable. Un toxizap, incroyabilissime. Oh, il y a l'oiseau. Il y a l'oiseau, il est là. C'est lui, celui du début. Niveau 18 en plus. Vas-y, on le prend, selon ce que c'est. Il y a un dauphin. Il y a un dauphin. Après 30 ans de Pokémon, j'ai enfin un Pokémon aquatique dauphin. J'ai mon type eau, j'ai mon type vol. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Meilleur choix de ma vie de descendre ici. Meilleur choix de ma vie de venir dans cette zone. Oh. Il est vol électrique. Allez, pomme, ça dégage. Pomme, ça dégage direct. Ok, alors là... Il est trop mignon. Et en plus, il est vol électrique. Il est fou. Vas-y, on le prend, je m'en fous. Il est incroyable. Allez, hop, ça part direct. Et derrière, le dauphin, là, tu viens là aussi. Hein. Incroyable. Oui. Oh, ça y est, il a suffi qu'on sorte de la zone. Meilleur choix, je crois, vraiment, que de vouloir aller à la plage. Incroyable, je suis trop content. Enfin, un Pokémon de type vol qui a tout compris. Il est fou. Électrique, vol, c'est bien ça. Zapetrel, du coup. L'inclure dans l'équipe, tu penses que oui. À la place de qui? Bah écoute, Pomme, je suis désolé. Bah en vrai, c'est pas mal, niveau 18, il est direct, il est utilisable, c'est bien. Il est trop mignon, par contre. Hein. L'électeur du pauvre, un peu, mais c'est pas grave. Il est trop mignon. Par contre, le dauphin... Oh non, rendez-moi mon dauphin, là. C'est quoi, ça? Rendez-moi mon dauphin. Non, il y avait un dauphin, les mecs. Non, je veux le dauphin, moi. Ah non, je veux le dauphin. Il y avait un dauphin. Hein. On l'a vu. Sans déconner, moi, je veux le dauphin, par contre. Hein. C'est quoi, ça? Oui, c'est un... On est d'accord, il y avait un... Ça, c'est des... Ok, coquillasse, machin. Ah, je suis deg, si vraiment... Si le dauphin, on le perd... Je sais pas du tout s'il est bien, mais encore une fois, quand tu démarres une génération, bon... Tu fais aussi au feeling, est-ce qu'il est mignon, pas mignon. Oui, c'est vrai qu'il y avait Lector avant, mais bon. Là-bas? Non. Attends, déjà, je vais prendre la balle. Mais ouais, faut essayer. Scuba Ball. Ok. Oh, là-bas. Mais il est trop loin, je fais quoi? Il y en a plein. Ah, ils sont au large, je vais pas pouvoir... Si, tout à l'heure, il était au bord de l'eau. Hein. Mais c'est vrai que là, il est au large. Compliqué s'il est au large. Ah, attendez. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Je vais un peu par là-bas, voir s'il spawn pas par là-bas. Ok, encore. Par contre, pourquoi les types électriques sont dans l'eau? Ah, le dauphin, il se barre. Ah non. Pourquoi Ah, c'est des bâtards, ils viennent chasser, en fait. C'est des types électriques, ils viennent chasser. On est d'accord, je peux pas y aller, là. Toujours là. Toujours pas, là, je peux pas. Non, je peux pas. Bon, après, au pire, on viendra les choper quand on pourra aller sur l'eau, mais bon. Ouais. Au pire. Mais franchement, au début, il était au bord de l'eau, donc je me dis, c'est peut-être possible. Si on chatte un peu. Il y a un Malos. Est-ce que je peux pas chatter un peu et essayer de l'avoir? Le dauphin. Non, j'ai l'impression que... Tu peux pas lancer une baie pour les... Il est... C'est mon nouveau Pokémon préféré, je pourrais savoir. Il est incroyable. C'est mon nouveau Pokémon préf. Il est fou, il est tellement cute. Il est dingue. Quoi? Par contre, excusez-moi. C'est pas grave. Météor. Ah, tu le tues pas. Dauphine. Il est nul, zéro dégâts. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que j'ai une scuba ball. Bon, on va voir. Me spoilez pas, c'est pas grave. Au pire, je m'en fous, il est mignon. C'est pas grave, de toute façon, pour l'aventure, ça fera le taf. Enfin, sûrement. On verra. C'est bon. Je le trouve trop mignon, moi, perso. Je suis désolé, mais... Est-ce qu'il est bon? On verra ça. Mais en tout cas, il est trop mims.
Pokémon dauphin. Mais depuis le temps que je réclame ça. Depuis le temps que je réclame un Pokémon. Je l'ai dit en plus. Putain, vraiment, on a collé tellement de trucs sur cette 9G. Je l'ai dit au début de la 9G et tout. J'étais en mode, s'il vous plaît, un starter au dauphin. Genre. Bah, du coup, à la place de. De Tissamboule. Dauphine. Il est trop bien. Et il est niveau 18. Donc très bien en vrai. Bon, écoutez, alors ces trois là, c'est sûr, on les a. Je pense, en tout cas pour ce début d'aventure, on a un type eau, on type vol et électrique, c'est trop bien en réalité parce que... En fait, c'est parfait parce que comme je vous avais dit, habituellement, je n'aurais pas pris de type plante. Si je prends pas le starter plante, généralement, je prends pas de type plante, je prends un type électrique. Donc en prenant le type plante, ça prenait la place de éventuellement un autre Pokémon. Sauf que vu que j'aurais dans tous les cas eu un type vol, et que du coup, il combine avec le type électrique, je ne perds pas de place. Du coup. Donc c'est trop bien. Il manquerait donc un type feu. Type feu, je pense, en vrai, ça risque de partir sur Malvalam, hein, on va pas se mentir. À moins qu'il y en ait d'autres qu'on n'ait pas vu, mais sinon, ça risque de partir sur Malvalam. Est-ce qu'on garde Patachio? Ben on va voir, mais c'est un type fée donc pourquoi pas. Et puis en dernier, je sais pas, soit un psy, soit un sol, soit un combat. Bon, on verra, voilà. Mais le dernier va s'adapter. En vrai, et puis il va peut-être y avoir des doubles types qu'on connaît. T'imagines le type fée dragon, ce serait fou. Mais bon, voilà. Mais là, les trois là, je suis désolé, ils sont fous. Bon, alors on va retourner sur la zone principale parce qu'on va éviter de trop se. Non, c'est où? Je suis perdu. On va éviter de trop se barrer. Faut aller jusqu'à cet endroit. Voyez-vous. Ouais. Mais oh, le dauphin, là, je suis... je suis refait de ouf avec le dauphin, par contre. Hein. Trop adorable. D'ailleurs, je crois qu'on a des bonbons, des machins à mettre. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Alors, attendez. Donc là, il passe niveau 20. Canon graine. Ouais. Alors, maintenant qu'on avance, on est meilleur en attaque ou en attaque On est meilleur en attaque, hein, c'est sûr. Donc canon graine, 80. Ah bah ouais, de ouf. Vas-y, on prend. 1, 2. Tada. Il apprend canon graine. Ok. Ensuite, les bonbons XPS. On va les donner, du coup, à lui. Est-ce que lui, si c'est... du coup, c'est pas le piaf de la zone, le piaf de la zone. Enfin, je sais pas. Genre, le roucoule de début, c'est qui? Est-ce que c'est lui? En gros, est-ce qu'il a plusieurs évolutions? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il en a qu'une? On va vite voir. 3000. Niveau 21. Oh là. Oh oui, d'accord. Faut calmer le truc, par contre. Hein. Faut calmer le truc. On va peut-être pas les mettre tout de suite. On va en mettre un et c'est tout, hein, parce que là. C'est abusé, hein. Ouais, par contre, ça c'est vrai que c'est un peu abusé. Brouhaha. Alors, il est meilleur en attaque ou en attaque SP, lui? Je me suis trompé. Tu cutteras, Kero. Il est terriblement meilleur en attaque SP, par contre, c'est terrible. Ok. Bah, dans ce cas. Wouah, l'attaque SP qu'il a. L'attaque SP qu'il a est absolument abusée. Et alors, c'est vrai que ça va quand même très vite. Il évolue pas. Ça va quand même très vite grâce aux bonbons. Et du coup, toi, niveau 20, Dauphine. Et le dernier, on remet sur Dauphine, on fait quoi? Alors, on remet sur Dauphine parce qu'il est trop mignon. Ouais, niveau 21. On va prendre plongée. Ok. Donc, on a 3 Pokémon niveau 20. Bah, très bien. Et donc, lui, meilleure attaque ou attaque spé, attention. Je me plante à chaque fois. Tu peux couper encore. Attaque spé aussi. Du coup, plonger, c'est... Ouais, bah quoi je... Ouais, bah pour l'instant... on va quand même mettre ça. Dauphine apprend plonger. Ok. Bah écoutez, je suis trop content. Je suis trop content de notre équipe. On va quand même mettre... Patachio. Mais vraiment, les Pokémon de cette génération, ils sont incroyablement beaux. C'est délirant. On va quand même mettre Patachio là, au cas où on le garde. Mais bon, pour l'instant, rien de sûr. On va... Voilà, se soigner. Et le jour arrive en plus. Il est pas fou quand même à part en vitesse. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci d'avoir attendu. Je sais pas si vous le savez en sélectionnant votre profil. Oui, je sais.
Hop. À bientôt. Toi, tu vends quoi maintenant? Donc, la boutique, qu'est-ce que tu vends, toi? Ok, pareil, quoi. Ça n'a pas changé. Bon, très bien. Bon, on va éviter pour l'instant, du coup. Dauphine, je vais le chasser en shiny. Ah, il y a moyen. Et donc là, maintenant, vu que j'ai chopé des trucs, est-ce que je peux créer des nouvelles CT? Donc, coup de boue, on a abri. Rafale psy. Trop bien, mais j'ai aucun type psy. Sur insectes. Balayage. On apprend tout de suite. Maintenant qu'il a évolué, il peut apprendre balayer, il peut apprendre des attaques combat. Fumé. Ouais, je peux avoir les CT par type aussi. Bah ouais. Attaque et lui faire oublier. Bah en vrai, je suis meilleur en attaque. Donc en vrai, on va enlever Météor. Hein. Ça c'est... On a coup de boue, mais c'est une attaque sol, c'est quand même pas dégueu. On va enlever Météor. Oh, on enlève Météor. C'est trop bien le système de craft. Alors par contre, on progresse très vite. C'est vrai que... Alors par contre, ouais, je suis en train de me dire, attention quand même, j'ai déjà quand même 3 Pokémon niveau 20 alors que j'ai même pas un badge. Mais après, la façon d'explorer est très différente. Vous avez vu le temps qu'on met à arriver au premier badge? Donc en fait, je sais pas. Je sais pas si je suis beaucoup trop haut niveau ou pas, j'en sais rien. C'est dur de se projeter là, vraiment. Je sais pas. Ok, bon, on a pu apprendre balayage. J'avoue que c'est dur de se projeter parce que t'as tellement envie de tout explorer et tout. Le jeu t'appelle à l'explo en fait. Ok, alors. Du coup. Là maintenant d'ici. Ça c'est la première arène. Ça c'est la première arène. Arène de type insecte. On a un type vol donc on peut la faire. Je pense qu'on va essayer d'arriver à cette ville. Donc qui est là-bas. Par contre la route elle est où? La route, on va quand même essayer de suivre la route. Hein. On va essayer d'arriver à cette ville. Oh, il y a un camion. Fuck. Et je suis vraiment très très content de ce qu'on a trouvé là. Il y a quoi là-haut? Qu'est-ce que c'est que ça? La map a l'air aussi grande car c'est beaucoup plus grande même. Je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce point d'observation là? Oh! Boulelec. Bah attends. Maintenant qu'on a un type électrique. Mais on a cage éclair aussi. Attends. On est d'accord, je sais plus. Il est mieux en quoi lui on avait dit? Il est mieux en attaque SP lui je crois. Boule Lex c'est SP. Lanceur envoie une boule électrique, plus la vitesse de lanceur est élevée par 20, plus la puissance de la capacité augmente. Ouais mais non, il apprend boulet avec plus tard en plus, ouais non. Par contre ce qu'on va faire c'est cage éclair. On va lui mettre parce que pour attraper des Pokémon ça nous sera utile. C'est quand même 65 donc on va enlever éclair pour l'instant. On va laisser étincelle mais plus tard on fera un meilleur truc. Hop. Il apprend cage éclair. De toute façon je crois qu'on peut réapprendre les capacités très facilement, ce qu'il disait. Et du coup là-haut il y a quoi? Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est... Pff. Mordu d'or. Alors. Je peux le choper ou pas celui-là? Oui, je peux le choper celui-là. Le petit mordu d'or qui se planque. Oh mais franchement, je suis désolé mais... Yes. C'est pas grave, tant pis, on en croisera d'autres. J'espère, j'imagine dans les tours comme ça, on croise des mordus d'or. Je suis désolé mais bon globalement pièce de mort du d'or 50. Oh bon ok, bah très bien. Alors, en vrai c'est pas si mal. Je trouve ça que j'aime dans un bon open world, c'est quand l'exploration te récompense. Et là l'exploration elle te récompense de ouf en fait. L'exploration te récompense de ouf, partout où tu vas t'as quelque chose. Et ça c'est vraiment bien quoi. Vous avez vu là je monte, bam petite surprise, t'as un truc en haut tu vois, enfin c'est trop bien. Alors, je pense que par contre, on va se le dire, à partir de maintenant, on va peut-être pas capturer tous les Pokémon qu'on voit. Ou alors ceux au bord de route, si peut-être, mais... Mais c'est tout, quoi, parce que sinon, en réalité, Sinon, on va vraiment... Vous avez vu comme il y a du monde, hein. Donc, voilà, peut-être le Krixik là, éventuellement. Mais je trouve que l'exploration est tellement récompensée, ça fait tellement du bien. Krixik niveau 7. J'aurais tenté de le choper. Rendre le petit camion. Est-ce que c'est le camion de Mew?
C'est littéralement le camion de Mew, les gars. Ça me bute, hein. Le camion de Mew, il est là. Hein. C'est lui. Krixik, ok. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un mordu d'or, je le vois. Ok. Nickel, le petit Krixik qui rentre. Alors. Salut. Hop là, une pièce. On prend. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le camion de Mew, hein, vraiment. Ça me fume. Ça me bute, ça me bute, ça me bute. Ok, poudre soin. On arrive à la ville quasiment. Et c'est vrai que c'est extrêmement... Là, c'est extrêmement... Vous imaginez si je faisais chaque recoin? Donc pour l'instant, là, on accélère un peu. Si je puis dire. Par contre, on n'a pas d'attaque vol en réalité, je crois. Si, il a picor. Et les Olivini, on les a déjà. Ils sont très mignons. Oh, Pérégrin, salut. Toudou. Attends. On est d'accord, picor, ça fait... Ah, je peux pas ensuite aller... Bon, vas-y, on va envoyer. On va les envoyer. C'est parti. Maturgeon, il est très beau, ouais. Franchement, pour l'instant, je suis très content des Pokémon qu'on a. Zapetrel, il est trop mignon aussi. Il est trop, trop, trop mignon. Donc, Picor, ça fait des dégâts, on est d'accord ou pas? Je sais plus. Très bien. Bon, bah, la reine... La reine, voilà. Mais on est peut-être un peu haut niveau, je sais pas. Hop. C'est pas grave. On a bien exploré, c'est cool. J'y étais presque, je me suis fait battre avant même d'arriver à l'arène. On y est bientôt, nous, à l'arène. T'inquiète pas. Ok. Là, c'est un... Pokémon, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est quoi celui-là? C'est un Topiqueur, ok. Bah, on le tente. On va le tenter. Hop! Let's go! Hein. Coucou Clem! Elle est là, ça y est. T'as vu ceux que j'ai attrapés? Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ok, donc c'est un Topiqueur de type sol? Je suppose. Vas-y, plongez. Hein. Dauphine. Ah, roche, roche. Parfait. Ah, par contre, il y a un tour, ouais. Bon, c'est pas très grave en vrai. Plonger. Nice. Et du coup, on va pouvoir le choper. Il va perdre son type. Nickel. J'ai fait une petite grâce, Matt. Mais t'as eu raison. Hop. On le chope. Ah non, mais on l'a déjà. Pourquoi je fais ça, en fait? Je suis bête. Parce que c'est un Terracrist... C'est un Terracristal particulier. Wouah. Pas grave. Hop là. Et je vois qu'on a 10 subs du prochain sub goal, ouais. Et Patachio aussi qui augmente, mine de rien. Patachio qui augmente tranquillement. Ok, 2000 PL. On prend. Hop là, attaque plus. Ok, ok, ok. Bon alors. Donc là, il y a un nouveau truc. Est-ce qu'on le tente? On va pas le tenter maintenant. Pour l'instant, on va aller à la... Pour l'instant, on va aller à la ville, je pense. On va voir. Voilà, dans cet épisode, on aurait eu quoi? Deux nouveaux dans la team? C'est stylé. Ok. Y'a quoi là? J'ai failli rouler sur des Olivini, les pauvres. Ok, donc nous voilà à la ville de la première arène. Alors. La question, c'est est-ce qu'on fait l'arène maintenant? Ou est-ce qu'on va aussi tenter la Team Stars pour vraiment avoir les trois et ensuite. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est que. Dans tous les cas, on essaiera de faire un truc. La dernière évolution de Poussacha est trop belle. On va voir, mais oui, je crois aussi, oui. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on essaiera dans tous les cas de faire un peu de chaque. C'est-à-dire, si on fait la première arène, avant de partir à la deuxième arène, j'irai faire par exemple le Pokémon dominant.
puis j'irai faire la Team Stars, et puis machin. J'essaierai quand même de faire dans un espèce d'ordre pour varier à chaque fois. Je sais pas si vous le savez, mais vous remarquerez parfois des icônes de Pokémon. Ça signifie qu'ils ont une chance de trouver des Pokémon de l'espèce concernée, donc c'est bel et bien l'habitat. Voilà. Ça, c'est pas mal pour le coup, le fait qu'ils donnent des petites infos comme ça. J'aime beaucoup. Qui s'y connaît en combat? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je représente la ligue, je sens que les combats ça vous connaît. Vous avez réussi à vaincre 5 dresseurs dans la zone numéro 2. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi à chaque fois, j'oublie de lui parler. Permettez-moi de vous remettre cette splendide récompense. C'est win. C'est bon, l'arène est win. L'arène est win, c'est bon. C'est win. Ce défi se tient également dans d'autres endroits de Paldea. Ok, c'est surtout qu'il y a Mass Poké qui t'indique la carte. Oui, c'est ça. Hein. Alors attendez. Zapetrel. Non, dans l'autre sens. Hop, sac. Non, mais ils sont trop mignons. Ils sont extrêmement mignons. What? Il peut apprendre Aéropic, lui? Non, quand même. Pas déconner. Ah, par contre, c'est une attaque de type. Ah, j'avoue qu'en fait, il a pas du tout un bon type. Hein. J'avoue qu'il n'a. Ah, bah 60. Comme Picor, en vrai. Ah, bon, on va garder, en fait. Je pense qu'on va garder. Bon, on va lui mettre Aéropic, du coup. Ok, on va lui mettre Aéropic, qui apparemment est un peu mieux si on tient pas d'objet. Repos, machin, météore. Ok. Allez. Donc. C'est stylé. Et du coup, le bonus 1000 subs aussi, non? Oui, bien sûr. Et du coup, évidemment, il y a également le FK qui passe, hein, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Du coup, la première ville. Enfin, première ville d'arène, on va dire. Donc, de la bouffe, comme d'habitude, pour changer. De la bouffe, pour changer, bien sûr. De la bouffe, pour changer. J'en ai marre. J'en ai marre, il n'y a que de la bouffe partout, c'est terrible. Par contre, la ville est stylée. Mais il n'y a vraiment que de la bouffe partout. Hein. Donc là, on a l'arène, on va y aller. Hein. C'est quoi ce grand truc? Venez voir nos produits. Bah, je veux bien, mais il y a un type. Oh, c'est quoi ça? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette petite merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je peux pas avoir tes produits parce qu'il y a le type. Bon, tant pis. Ok, ok, ok. L'arène qui est là. Centre Pokémon là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est l'endroit où on va affronter l'arène. Ok. Ok, c'est l'endroit où on va faire l'arène. Ok, d'accord. Alors, attends. On va déjà... Est-ce que ça vaut le coup d'aller Je sais pas si ça vaut le coup d'aller au centre Pokémon là. Si, peut-être pour avoir le TP. C'est quoi ça? Encore un magasin de bouffe? Non mais c'est terrible. Je vais juste aller là, histoire 2. Alors par contre, effectivement, peut-être que, vu que c'est un peu monde libre, est-ce qu'on va pas genre arriver dans la ville, bam, direct l'arène, merci, au revoir, on sort de la ville. Tu vois, genre, pas trop d'histoire dans la ville. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peut-être juste peur qu'on ressente un peu ça. Je sais pas. A bientôt. Ah non, moi les centres Pokémon, j'ai trouvé incroyable. Une station essence, non mais tellement pas, on dirait à peine station essence, vous êtes matrixé. Du coup, ouais, en fait, à peine arrivé dans la ville, est-ce qu'on va direct à l'arène? Genre, on zappe la ville très vite, entre guillemets. Je sais pas. Bon, après, c'est différent, si je puis dire. Mais c'est pas gênant. Ah, attendez, il va quand même se passer un truc. Zapetrel est dans ma team, c'est un très bon Pokémon. Bah ouais, je pense. Vous avez atteint votre destination. Alors, donc c'est une arène de type insecte. Ça devrait aller, je pense. Surtout qu'à mon avis, on est très haut niveau. Je sais pas. Oh non. Oh, mais c'est Julien. Oui. Oui. Si t'es là, ça veut dire qu'une seule chose. T'as décidé de faire la chasse au badge d'arène et te mesurer à la ligue, pas vrai? Oui. Tout à fait. J'en étais sûr, je savais que j'avais bien fait de te parler de tout ça. Pour affronter le champion ou la championne d'une arène, tu dois d'abord réussir un examen. Les examens sont différents pour chaque arène. Pour savoir en quoi ça consiste, demande à la réception. Et tiens, je te donne ça. Pense à moi quand tu soigneras tes Pokémon avec. Ok, au cas où c'était pas trop simple.
Je suis tellement contente que t'aies choisi de viser le grand maître. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Bon, je te laisse. Je vais affronter les dresseurs du coin. Allez, salut. Alors. Bienvenue à l'arène de Sevaro. Donc, on est à Sevaro, très bien. Bien, ça ne vous dérange pas, je vais tout d'abord vous inscrire. Julien, c'est ça? C'est bien noté. Ok. Vous devez d'abord réussir l'examen d'arène avant de pouvoir affronter la championne Hera. Et dans notre arène, l'épreuve consiste à participer au Roule Olive. Voyez-vous, notre ville est réputée pour sa production d'olives de qualité. Cela fait plusieurs générations que nous organisons la fête de l'olive, afin de nous attirer des bonnes récoltes. Pour réussir l'examen, vous devez pousser un ballon en forme d'olive jusqu'à la ligne d'arrivée. What? Ok. Si vous y parvenez, cela sera de bon augure pour les récoltes de l'année prochaine. Bien sûr, le personnel sur place se fera un plaisir de vous fournir des explications plus détaillées. La place Roule Olive se trouve au nord de la ville. Ah, c'est même pas là l'arène en fait. Ok, ah stylé, ok, j'ai rien dit, c'est pas mal. Bonne roulade. Merci à toi. Là en fait, c'est juste un peu une zone d'accueil quoi. Olive qui roule. Vas-y, on va voir. Let's go. Par contre, j'aimerais bien changer de tenue. Où est-ce qu'il y a une boutique pour changer de tenue? Dans la capitale, j'imagine. Là, la tenue, là, ça ne va plus. Hein. On la changera. Mais c'est juste que j'ai plus de thunes. Quoique j'ai eu des poussières étoiles et tout. Hein. Il y a moyen de faire un truc, je pense. Alors, du coup, c'est où? Ok, d'accord. Hop. Allons-y, allons voir. C'est là. C'est ici, du coup. Zone sud numéro 2. Rondoudou, on l'a déjà, hein, donc on va éviter. Le Roule Olive. Qu'est-ce que c'est? Si vous souhaitez participer au Roule Olive, c'est ici que ça se passe. C'est une épreuve physique où il faut pousser un ballon géant ressemblant à une olive. What? Si vous arrivez à guider le ballon jusqu'au panier à l'arrivée, tout en franchissant les obstacles sur votre route, vous réussirez l'examen. Vous savez tout, êtes-vous prêt à participer à votre examen d'arène? Ouais, vas-y. Quand tu zoomes au max, tu peux voir les shops dans les villes, il faut que je regarde, ouais. Parfait, pendant que vous poussez le ballon, pensez à nous souhaiter une bonne récolte. Oui, bien sûr. Examen d'arène, relevez le défi du Roule Olive. Oh, la musique. Oh, la musique. Et du coup... C'est trop bien. Dinguerie. Dinguerie. Vraiment, pour du Pokémon, c'est dinguerie. C'est génial. C'est dinguerie. Tu pourras prendre le raccourci si tu me bats. Ah, il y a des dresseurs quand même. Ok, donc on est vraiment sur un concept d'arène assez classique malgré tout. Ok. Bah, c'est trop bien. Du coup, il y a quand même les dresseurs, les machins. Vas-y. Alors, ils sont quel niveau? J'ai très peur. Hein. À mon avis, je pense que... Ah, quoique, attention, un Mélocric. Je pense quand même que je serai très haut niveau par rapport à eux, mais... 13. Ah. Le champion est peut-être dans les niveaux 18, machin. Attends, c'est haut niveau quand même, parce que première arène 13, on n'oublie pas que le... Que genre, typiquement, le Onyx, on va dire... De Pierre, il est niveau 12-13. Hein. Le Roucoups d'Albert, il est niveau 12-13. Hein. Donc en vrai, là, si un gars random est niveau 13, ça veut dire que le premier Pokémon doit être plus haut niveau. Hein. Après, nous, le temps qu'on les fasse, on va être haut niveau aussi, mais... Ouais, après, elle en a vécu qu'un, finalement. Le mur d'Olivini. Allez, 1820, ça, c'est un pantalon, ça. C'est parti. Vous pouvez dégager le passage, maintenant. Alors vas-y, on avance. Pokédex a été mis à jour. Ok. Il n'y a que deux dresseurs. Bon, en même temps c'est la première arène, donc c'est normal qu'il n'y ait que deux dresseurs. Ok, donc l'épreuve est pas très dure. Mais c'est sympa en vrai, moi j'aime bien. Par contre, on sent qu'il a pas une grosse attaque. Qu'il a plus une attaque spéciale qu'une attaque. Hein. Par contre, les attaques vol, elles sont toutes physiques, non? Je sais pas. Un Mimitos. Et quel plaisir de l'avoir dans la version, lui. Mimitos, moi j'aime beaucoup ce Pokémon. Non, elles sont pas toutes une bonne partie, mais parce qu'on voit que là au final, vu que j'ai très faible attaque physique, vous voyez, je les tue pas alors que j'ai quand même beaucoup d'écart avec eux.
Lame d'air, apparemment. Ok, il faudra qu'on essaie de voir ça. Parce qu'on a une très grosse attaque spéciale. Je sais pas si vous avez vu, on a 15 points d'écart, je crois, entre les deux. Enfin, c'est énorme. Donc ouais. Il faut que tu passes. Cruel tornade. Ok, bon. Allez, s'il te plaît, passe. Ah, dommage. Oh, la confusion dans ce jeu, par contre, c'est terrible. Entrave. Sur éclair. Oh là, oh, c'est trop beau, entrave. Ah non, c'est aéropique. Ok, vas-y. Allez, ah bah voilà. Vas-y, petite étincelle. Ça passe. Ciao. C'est bon. Ok. Rien ne t'arrête. Voilà, écoute. 1820 Poké-Dollars. Avec les deux dresseurs, je peux me faire une coupe. Les Olivini ont reconnu ta valeur et vont te céder le passage. Mais est-ce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va débloquer des nouvelles coupes, des machins, des trucs? Je ne sais pas. Et du coup, là, c'est bon, on arrive au champion. Bon, c'est une première arène où il n'y a que deux dresseurs, mais c'est finalement totalement classique. Donc ça me va. On va soigner Zapetrel. Et on va aller foutre l'olive dans le but. C'est good. Ouais, ça dépend des villes. Mais là, c'est clairement la première arène, il l'avait dit dessus. Hein. Mais donc, finalement, je commence malgré tout par la première arène. Donc, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais enfin, bon, si tu suis la route, tu vas arriver à la première en premier, quoi. Mais bon, effectivement, tu peux quand même aller où tu veux. Mais je pense qu'après, c'est plus haut niveau. On verra bien. On ira peut-être de l'autre côté, après, et tout. Alors, du coup. Merci pour le sub, d'ailleurs, il y a eu un sub, mais il n'a pas été partagé, mais j'ai vu qu'on a augmenté en sub, merci beaucoup. Grâce à vous, nous aurons d'excellentes récoltes l'année prochaine, c'est certain. Considérez votre examen d'arène comme réussi, toutes mes félicitations. Ouais, c'est l'arène recommandée au début, vu la proximité avec l'académie, c'est ça. Vous pouvez retourner à la réception de l'arène pour les informer de votre réussite. Et surtout, bon courage pour votre combat face à la championne. Let's go. Les arènes s'adaptent à toi. Ben, je sais pas, justement, on sait pas encore. Donc là, on est dans la ville et effectivement, on peut se battre contre des... Ah, oh, c'est trop bien. Je viens de trouver un fantôme shiny. Ah, j'espère vraiment qu'on... Ah non, on n'était pas dans la ville. J'espère vraiment qu'on va trouver des shiny aussi. Hein. J'espère vraiment. On verra bien. Alors. Je ne sais pas du tout si ça s'adapte, mais je pense que oui pour le... Que oui, mais le chemin pour y aller, non. Ouais, je sais pas, on verra bien. Alors. Premier badge. J'ai entendu dire que vous avez excellé lors du roule olive. Félicitations, vous avez réussi votre examen. On peut dire que vous n'êtes pas roulé les pouces. En tout cas, truc très bien, c'est que déjà on voit que les trois histoires ont l'air effectivement très décomposées, très séparées. On n'a pas dû affronter la Team Stars avant d'arriver, ou on n'a pas dû faire un dominant avant d'arriver, donc finalement, on peut faire l'un sans faire les autres, j'ai l'impression, et ça c'est très cool. Donc en fait, le jeu va être vraiment immensément long, hein, je pense. Vous pouvez désormais affronter notre championne, bonne chance. Et donc j'imagine, c'est sur le toit. Souhaitez-vous affronter Hera, la nymphe pâtissière et championne de cette arène, oui. C'est parti. C'est parti. Dans ce cas, veuillez me suivre, je vous prie. Je vais vous conduire sur le terrain de combat. Pour moi, elle a un Olivini. Et elle a sûrement l'évolution d'Olivini. Je pense, vu qu'on est dans une ville avec des olives. Et donc, l'évolution d'Olivini, qui est absolument incroyable, que j'aurais pris si on n'avait pas pris... Poussacha. Tout est séparé, mais le mieux, c'est de tout faire sur le trajet. Ouais, je pense. C'est vrai que là, j'ai fait un peu droite-gauche. Mais c'est pas un type insecte. Ah, alors peut-être pas, effectivement. Oh, c'est quoi ça? Mange à ta faim, surtout mon petit prismillon d'amour. Alors attends, c'est une forme de Paldea ou c'est une forme future? C'est une forme future, on est d'accord? Comme Donphan? Je crois. Oui, de ouf. C'est un Pokémon classique. Ah bon? C'est une forme normale? Ok, d'accord. Ok. Il existe déjà. Ok, je dors. Je sais pas, j'ai pas l'habitude. Mais quel dresseur à l'allure ravissante nous avons là. Merci beaucoup d'avoir participé au roule olive. Ta technique était impeccable. J'étais persuadé que c'était une forme différente. Mais c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Je suis Hera, la chef pâtissière de l'établissement Pâtissamboule. Il a beaucoup de formes différentes avec les changements de couleur, c'est pour ça, ouais. Excuse-moi, c'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie là. Je suis désolé, je patauge un peu dans le caramel, laisse-moi recommencer. Oh, elle est terrible. Je suis Hera, la championne de cette arène. C'est que je passe davantage de temps à faire des gâteaux à la pâtisserie qu'à me battre ici.
J'aime pas ma tenue, faut que je la change. Pour moi, les gâteaux sont comme les Pokémon insectes qui se cachent parmi les plantes. Ok. Ils sont petits mais renferment un grand pouvoir. En l'occurrence, celui de nous rendre heureux. Je suis vraiment désolé, mais la team insecte, on n'est pas ensemble. Hein. J'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur des piqûres d'insectes. Parce qu'ici, tu vas avoir droit aux deux à la fois. Allez, c'est parti. C'est parti. Première arène. Ah, déjà, il n'y a pas les Dynamax et tout, quel plaisir. Bon, il va sûrement y avoir du Terra Crystal. Ah bah, Olivini type insecte. Un Lilithurel. Alors, c'est ça, cette petite merde, comme je l'ai appelé, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ne sous-estime pas mes Pokémon insectes si tu ne veux pas que les tiens en pâtissent. T'es pâtissière. Niveau 14. Donc l'arène, elle a 3 Pokémon. Donc l'arène est effectivement d'un niveau plus élevé. Hein. Je suis Terra Crystal quoi, moi, électrique ou vol? On verra après. Aéropique. Ok, ça passe. Nickel. Terra Crystal, Dynamax, c'est la même. Ah, je trouve pas. Donc c'est peut-être l'évolution de ça qu'on va avoir en fait. C'est lutin, va prendre coup de boule. Non mais c'est lutin, je t'aime pas. Donc tu t'en vas. Un tissamboule. Non, on continue sans changer. Donc en fait pas d'olivini, j'ai rien dit, mais effectivement vu qu'il y a des olives. Mais la nuit arrive encore, ça va vite hein. Mais aussi que le jour nuit est très rapide. Oh mais on les défonce plus que les autres. Incroyable. Ok. Bon après on a un très bon Pokémon là. Ok. Gourmelet va prendre un pleur. Non. Bien qu'il redemande pas. Et ensuite. Un tête d'Ursa. Mais donc un tête d'Ursa qui va très probablement terra cristalliser en type insecte. Je suppose. Donc on va terra cristalliser aussi, mais je ne sais pas en quoi c'est. Ah, c'est une terra cristallisation électrique, on le voit. Donc on va pas terra cristalliser. Non, on va pas terra cristalliser, on va juste faire aéropique. Sors de ta chrysalide et dévoile toute ta splendeur. Allez, c'est parti, parce que du coup, il va quand même être... Il va quand même être sensible. Normalement. Et donc, il évolue en type insecte. Enfin, il dit... Ouais, c'est ça, en type insecte, ok. Mignon. Aéropique. Ah, il y a la musique. Ok, et donc ça devient super efficace, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, on va se faire un petit plaisir. Attention quand même. On va se faire un petit plaisir nous aussi. C'est parti. C'est parti, let's go. On terra cristallise nous aussi. Avec la petite ampoule sur la tête. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Je suis désolé, mais il est vraiment trop mignon. Un type vol électrique, mais quelle bonne idée. Étincelle. Ça va sûrement pas le tuer, mais c'est pas grave. Si ça le tue, premier badge. Il était niveau combien? J'ai même pas fait gaffe. Mais du coup, il était plus haut qu'une arène, première arène d'avant, hein, je trouve. Et ça passe. Premier badge en poche. Après, mine de rien, 5 heures de jeu quand même. Enfin, c'est pas dégueu. Hein. Tous mes Pokémon sont au bout du rouleau à pâtisserie. 2700. Allez, là, c'est une coupe. C'est une coupe chez le coiffeur, je prends. C'est incroyable. Ta force n'a pas cessé de gonfler. Comme un bon soufflé au four. Je crois que moi aussi, j'aurais bien besoin de développer mes techniques de combat. En tout cas, c'est encore un succès pour toi. Bien joué. Voici le badge de l'arène qui te permettra de prouver que tu m'as vaincu. Et tu sais ce qui rendrait cette victoire encore plus délicieuse? La savourer avec une de mes spécialités pâtisserie. Mais vous vendez vos trucs 900 Pokédollars ou je sais pas quoi là. C'est trop cher. Et je sais toujours pas ce que sont les auras. Arène de Sevaro terminée. La voix du maître. Ah, c'est rigolo comme ils font ça. On voit pas le badge? Oh non, où est le badge? Tu as donc un badge d'arène. On n'a pas vu le badge? Si, on l'a vu. Tu pourras attraper des Pokémon jusqu'au niveau 25 plus facilement. Et ils t'obéiront jusqu'au niveau 25. Ah oui, donc un badge niveau 25 quand même. Oui, donc... Je sens que tu as l'appétit vorace. Alors voilà une CT pour toi. CT 21, bon. Ok. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais grâce à la machine à CT, tu peux recréer les CT que tu as obtenus durant tes aventures. Oui, tout à fait.
J'espère qu'avec ça, le chemin qu'il te reste à parcourir sera un peu plus doux et savoureux. Alors, pour moi, il y a deux options, vu ce qui se passe là, vu comment elle était un peu plus haut niveau, vu tout ce qu'on fait, etc. Soit le niveau global va augmenter et on va arriver contre une ligue, me spoilez pas bien sûr, mais contre une ligue niveau 70-80. Soit, en fait, vu qu'on peut aller un peu partout, ils vont tous stagner en termes de niveau à un moment. Genre, les, je sais pas, les 5, 6, 7, 8 badges, en fait, ils vont tous être dans les niveaux 40 et ils bougeront plus. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Et le badge, ouais, c'est le tampon sur la photo, je crois. On verra bien. Du coup, en tout cas, premier badge en poche. Et c'est plutôt cool.